Écoute, juste une fois. Je suis très mal à l'aise. Hé, mon chéri, je suis désolée. Je suis fatiguée d'être tout simplement celle qui te permet de jouer et puis rien. Tu sais même pas dire, chérie, mon petit cœur, mon lapin, et j'en passe à ta femme. Quand tu en as envie, c'est Françoise, tu viens, j'ai envie de toi. Mais je suis fatiguée. Tu vas vraiment? Tu vas plier cette dormie de ce moment. Mariage, mon œil. Pourquoi les hommes pensent toujours que leur épouse est un acquis? Heureusement, je suis encore épargnée de ces intentions moyenâgeuses. Désolée pour toi, ma pousse. Et si tu pouvais le surprendre au téléphone dialoguant avec ses maîtresses? Tu le prendrais pour un donjon amoureux? J'ai commis la bêtise un jour de fouiller dans son téléphone. Mon Dieu, c'était la catastrophe. Mon mari est un créateur de paroles sensuelles. Mais qui ne profite qu'aux putes? C'est la patate qui accepta qu'on la mange crue. Essaye le macabo. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma chère, nous sommes au 21e siècle. La femme africaine doit sortir de sa léthargie, de son silence et s'imposer en tant qu'une personne à part entière, qui contribue elle aussi au bien-être. Mais oui, Françoise, la loi de Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. Distrais-toi, ma chérie. Comment? Comme ça. Sors de chez toi, par exemple. Rencontre des gens. Échange. Affiche-toi sur la toile. As-tu une adresse électronique? Non, j'ai jamais jugé utile. Il y a, me semble-t-il, trop de négativité là-bas. Et tu penses qu'il y a positivité ailleurs? Le négatif nous suit, ma belle. C'est notre compagnon. On l'adopte. Réveille-toi. Tu vois, c'est très simple. Avec cette adresse, tu peux avoir des amis dans le monde entier. J'en ai qui seront m'inviter en Afrique du Sud, en Italie, à Franceville. Et la photo? C'est pour ton profil. Un ami qui accepte ton invitation ou qui t'en envoie doit connaître à qui il a affaire. Tu peux faire des publications, des annonces. Bref, tu communiques librement. C'est bon, Isabelle. Pas ma photo maintenant, tu vois. Je préfère garder la même. Ok. On va prendre une photo de notre mère comme ton profil. Puisque tu veux garder l'anonymat, même ton nom, on va le changer. Ton abonnement aussi va en prendre un uniquement pour ta connexion. Bien pensé, Isabelle. Fini le stress, tu verras. C'est bon, d'accord, ça va. Et je t'aime, je t'aime, bisous. Bonsoir.
belle. Bonjour, Françoise. Comment tu vas? Ma chérie, les nouvelles sont trop bonnes, je te jure. Raconte. J'ai rencontré des Américains, des Africains, des Européens. Ah bon? Et la meilleure. Je t'écoute, Françoise. Ma chérie, il y a un mec qui m'a envoyé l'invitation. Il est éloquent et politique. J'ai pris plaisir à échanger avec lui. Et dis qu'il n'y a que du négatif sur la toile. Regarde comme tu es heureuse. Imagine donc si tu le rencontrais un jour. Comme si tu lisais dans sa pensée. C'est un jeune cadre d'entreprise et une merde envie de me rencontrer. Il me dit, te rencontrer, te regarder dans les yeux, te toucher, te donner un peu de moi, recevoir un peu de toi, t'admirer tout simplement et dire merci à Dieu, faisant de moi l'homme qui a tout le monde. Tu es déjà, je le pense, ma douce fleur adorée, que je me permets de garder avec jalousie et précaution. Romain sur la toile, Françoise. Le monde sentimental est divisé en deux groupes. D'un côté, ceux qui pensent à la façon de dire et de faire l'amour. De l'autre, ceux qui disent et font l'amour. J'aime le deuxième groupe. Toutes les conditions sont réunies. Ça me permet de me le découvrir. Ah, regarde. J'aime le l'autre. Oh là là, il m'a envoyé le message. Tu vois, il est mignon. Bonjour mon amour, comment tu vas? J'ai rêvé de toi cette nuit, tu sais. Je te portais dans mes bras, nous courions dans la pièce et je t'envoie cette carte. T'es bon flatteur toi, je sais pas comment mais mon cœur me parle tout le temps. Si seulement tu pouvais être différent. La confiance est la pièce maîtresse d'une relation à ce que je sache ma couleur. Et ma différence dont tu fais allusion est cachée au fond de toi. Alors si tu veux, je le serai. C'est tout mon souhait. Je sais pas comment, mais je m'abstiens pour l'instant de donner un petit nom. Mais rassure-toi, tu l'auras quand on saura qui tu es. Dis-moi, Poussin, quelles sont tes préférences vestimentaires? Mes préférences vestimentaires, j'aime les tenues qui me tiennent le corps. Pas sexy, non? De belles tenues. J'aime aussi m'habiller africaine. Et oui, nous sommes africains. Non, mais d'abord. Côté culinaire, je ne mange pas gras, ni salé. J'aime plus aimer les chez moi. Si vous avez bon intérêt. C'est bon, bébé, c'est bon. Maintenant, je vais un peu plus loin. Mais s'il te plaît, réponds-moi franchement. Je t'écoute. Tu fais l'amour régulièrement et à quelle position? Oh non, pourquoi cette question? Je ne suis pas obligée de la répondre, s'il te plaît. S'il te plaît, ma puce, j'attends une. Oh non, c'est une question rouge. Ça allait très vite, ma chérie. Cet homme est différent, Isabelle. Je suis embrouillée. Perdue. Je suis toute excitée. Quoi? On s'appelle depuis un bon moment. Je lui avais donné mon numéro de connexion. Tu vas faire l'amour avec lui? Peut-être oui. Peut-être non. Ça dépendra, Isabelle.
Tu veux que je t'accompagne le voir? Ça pourrait éviter de lui afficher tout d'un coup ton faible. Il prendrait la grosse tête. Allez, viens, ma chérie. Je rentre pas ce soir. Tu prends pas ton petit déjeuner? Non, merci. J'ai pas le temps. Tu comptes te défaire de moi? Tu penses depuis le début, je ne savais pas que c'est toi? Ta voix, ton rire, ton sourire? Rien ne m'a échappé qu'il me faut. Et j'ai joué le jeu, ma belle. Je t'aime sincèrement, Françoise. Tu comptes rompre avec notre amour, c'est ça? Eh bien, fais comme on te semble. Je te montre la plus belle façon de me faire. Je t'ai épousé, Françoise. S'il te plaît, Augustin, il n'y a pas d'amour à rendre. C'est moi la cause de tout ce désordre. Ta femme est venue me voir. Elle filait du coton. Et s'est plainte de ne pas avoir ton attention. Pourtant, tu es tout ce qu'un homme normal doit être. Tu es intelligent, sage, beau, élégant. Et très romantique. Alors je lui ai demandé de se connecter sur la toile pour se faire des amis et discuter pour ne pas voir le temps passer. Je ne savais pas que cela arriverait à ce niveau. Croyez-moi, je suis sincèrement désolée. Et puisque ce que Dieu a uni, lui ne peut séparer, c'est encore toi qu'elle a rencontré sur Facebook. Estimez-vous heureux, mon Dieu. Pas la peine de nous gâcher cette belle et romantique rencontre.
peluche. J'apprécie la douceur de tes doigts magnétiques sur mon corps. Et ton visage rayonnant de plaisir. Tu es unique.